Bonsoir, alors je vais vous faire une petite vidéo démonstrative sur l'utilisation du BeSave, l'appareil de mise sous vide de Guy de Marle. Donc là, vous pouvez constater que j'ai mis dans ce récipient de l'ananas que j'ai donc coupé samedi. Voilà, nous sommes lundi soir, donc il n'a pas oxydé. Je vais rouvrir donc mon récipient. Pour ça, je vais avec mon doigt juste faire une petite pression sur la valve. Voilà, vous pouvez entendre l'air qui revient à nouveau et je peux ouvrir à nouveau mon récipient. Voilà, donc c'était un reste d'ananas. Donc ça fait 3 jours qu'il est coupé. Comme vous pouvez voir, il n'a pas oxydé et je vais encore pouvoir en manger cette semaine. Je vais du coup le remettre sous vide. Donc, je prends juste la pompe que je vais clipser sur la valve et on va attendre entre 5 à 10 secondes que l'appareil s'accroche à la valve. Voilà, et ensuite c'est une pompe automatique, donc dès qu'elle aura sorti tout l'air de mon récipient, elle va se ranger automatiquement. Voilà, il n'y a plus d'air dans le récipient et je vais pouvoir le remettre au frigo. Je vais également vous montrer qu'il y a un système pour les bouteilles de vin avec un bouchon. Donc quand vous entamez une bouteille de vin et vous n'avez pas forcément envie de la boire le soir même, vous avez donc les bouchons qui sont adaptés. Le même principe, je prends ma pompe, je mets sur le bouchon. Voilà. Voilà, le vide a été plus rapide que tout à l'heure puisqu'il y a moins d'air dans la bouteille.